Ah ben c'est parti pour le ZCL de ce jeudi 20 juin. On avait annoncé une grève générale. Visiblement, aujourd'hui, c'est plutôt calme, mais le calme peut cacher la tempête. Attention, on va recevoir dans un instant José Saint-Cily. Bonjour. Bonjour, Danick. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Il vient avec nous déjà, on parlera de son activité principale, j'ai envie de dire le drônage. Un peu plus tard, on va recevoir Jean-Denis Legrave, le secrétaire général adjoint et aussi coordonnateur de mandat de la Mutualité française. Il parle aussi en tant que responsable de ce comité du conseil d'administration. Il donnera des indications un peu plus profondes. Et puis, à la fin, nous allons recevoir Samantha Gou, elle est directrice de la communication et des relations publiques la ville de Petit-Bourg. Elle est dans le cadre de ce que nous avons prévu pour les étudiants de BTS de communication du lycée Gervirage qu'on salue, puisque depuis 3 semaines, chaque jeudi, nous faisons intervenir une communicante de manière à ce que nos étudiants de BTS puissent être en relation au moins virtuel avec ces communicants et puis savoir un petit peu ce qu'est le métier de communicante. Donc on saura ça tout à l'heure avec notre amie Samantha Gros qui est pratiquement déjà là. Sinon pour l'actualité, eh bien, on reviendra comme chaque jeudi sur le point Covid avec les extraits de l'interview de Madame Denux, du préfet et de la rectrice et tout cela avec Olivier Félix. Et puis on fera un petit tour du côté de la ferme aquacole de Pointe-Noire. C'est important, c'est Stanley Manicole qui s'est rendu sur place et le festival Cinévision, c'est avec Olivier Moradel. Voilà un peu ce qui fait la une de ce ZCN News. Merci d'être avec nous aussi nombreux chaque midi, chaque soir aussi, puisque hier soir ça a été le grand buzz, vous le savez, avec l'interview faite par Harold du professeur Caron, qui est un petit peu c'est qu'il était contesté, bien sûr il y a eu des gens qui sont pas d'accord, mais enfin quand même les Guadeloupéens ont été informés de ce qui se disait hier soir en direct sous Canal 10. Canal 10, c'est la chaîne où ça se passe, bien évidemment. Alors, je voulais dire, on reçoit José Saint-Cily, il est le fondateur, l'animateur principal de Alizea Drone, c'est bien ça, hein, Alizea? C'est exact, donc c'est la société Alizea Drone. Oui, alors exactement, on sait que depuis quelque temps, les drones ont pris une belle ampleur en Guadeloupe, puisque autant que je me souviens, il y a 10 ans, on en parlait moins. Alizea s'est créée en quelle année exactement? Alors, la société Alizea Drone a été créée officiellement en 2018, donc ce n'est pas si vieux que cela. Oui. Donc, bien sûr, on ne crée pas une entreprise du jour au lendemain, donc ça demande une préparation, une formation, des compétences. Donc, monter en compétences, donc toute cette partie que nous avons réalisée entre 2016 et 2017. Voilà. Et ça devient aujourd'hui, on peut le dire, une nécessité qu'on travaille, qu'on fait du cinéma, des documentaires ou même du repérage? Alors c'est vrai qu'on a pour habitude de penser que le drone c'est essentiellement que la partie photo, vidéo. Oui. Mais aujourd'hui pour notre expérience que nous avons choisi de travailler beaucoup plus sur la partie technique. Oui. Donc il est vrai que ce n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais il s'avère que beaucoup de professionnels ont compris l'intérêt d'un tel outil qui est l'utilisation du drone, qui est un outil au service des hommes. Et aujourd'hui, nous avons quand même un appel à faire, hein, c'est que les professionnels aient un autre regard et qu'ils pensent aussi à leur sécurité, mais pas que, mais tout en sachant que nous pouvons aussi apporter une qualité de travail identique en termes de précision. Je parle par exemple aux géomètres, aux topographes. Aux opérations de terrain, par exemple. Voilà, ouais. Donc tout à fait. Donc la modélisation 3D, la photogrammétrie, ouais, la thermographie, les inspections de pylônes, les centrales, les lignes de tension. Donc c'est vraiment dans ce domaine que nous travaillons. Nous faisons aussi du suivi de chantier. Nous sommes aussi en mesure de réaliser, comment dirais-je, un certain nombre d'activités annexes, je dirais, je pourrais dire ça comme ça, puisque la photo et la vidéo n'est pas vraiment, je dirais, le cœur de notre métier. Nous sommes vraiment plus dans la partie technique, donc dans le BTP. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais il y a quelques instants, certains professionnels ont compris l'intérêt d'intégrer le drone dans leurs prestations, mais aussi dans leur quotidien. Mais alors, au-delà même des prestations faites pour les professionnels, il y a aussi la formation. Il y a la formation qui est très importante, d'autant plus que c'est un métier qui est très encadré. Hein, donc,
par les autorités compétentes et où il y a une réglementation aérienne qui est très pointue et que nous devons tout un chacun respecter. Donc c'est aussi un domaine que nous pratiquons puisque nous faisons aussi de la formation qui ne doit pas être un sujet fait en mode dégradé. Hein, donc ça demande quand même un respect non seulement et puis une qualité de prestation qu'on doit offrir aux apprenants. Donc en aucun cas on ne peut faire une formation dégradée et il faut effectivement s'adresser aux entreprises telles que la nôtre, Alizé Air Drone. Pour... Alors ça veut dire quoi pour être formé à l'utilisation du drone, à minima, il faut combien d'heures de... J'ai pas envie de dire d'heures de vol, mais d'heures de formation. Bon, en fait, à minima, il faut 70 heures. Oui. D'accord, 70 heures. Donc, notre formation de base se décline en deux modules principaux. Donc, le module 1, qui est le module théorique, qui est la préparation à l'examen, qui est dispensé par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Après, vous avez le module 2, qui est le module pratique, qui est aussi de 35 heures, donc pour un total de 70 heures. Ceci étant dit, pour les personnes qui veulent avoir un complément de formation, nous faisons aussi du perfectionnement. Mais en dehors de cela, à partir de cela, il y a aussi des spécialisations. Donc les spécialisations sont des formations annexes que nous proposons aussi. Donc je parle de la photogrammétrie, de la thermographie radiométrique, mais également des compléments tels que la photo, la vidéo, pour les personnes qui veulent approfondir leurs compétences dans le domaine du drone, de la photo aérienne. Puis il y a l'autre aspect aussi, c'est le matériel, il faut qu'il soit de qualité. Absolument, donc vous avez en image actuellement un drone que nous avons, qui est je ne vais pas nommer sa marque, mais c'est un drone qui est pour l'instant l'un des meilleurs produits du marché. Ouais. Donc c'est un appareil qui nous permet de réaliser des missions techniques, je dirais de précision. De haut niveau. De haut niveau, voilà, clairement. Dire, voilà. Ouais. Alors je vais le décrire un peu. Vous avez une caméra P1 là-dessus. Ouais. Bon, c'est un multicoptère. Il a 4 moteurs. Vous avez au-dessus, vous voyez que c'est un parachute. Donc ce sont des appareils. Ah, il y a un parachute aussi. Ce sont des appareils qui sont sécurisés aussi parce que selon les scénarios que nous utilisons, nous devons effectivement sécuriser non seulement la machine, mais aussi en cas de risque, il faut effectivement tenir compte du fait qu'il y a un impact au sol et voilà, qu'on ne doit pas négliger. Donc c'est une machine qui est très performante. Et très chère. Oui, en fait, vous savez, aujourd'hui, dans le milieu du drone professionnel, on ne peut pas se contenir et puis ne pas évoluer avec son temps. On est obligé de s'adapter et de s'équiper aussi d'appareils de pointe, voilà, pour être compétitif. Et la compétitivité passe aussi par ça. Alors, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, un drone, je pose la question, peut aller dans une tempête, dans un cyclone et faire des images, comme on voit quelquefois au cœur du cyclone, on voit des avions spéciaux qui le font? Alors, je n'ai pas forcément... je suppose que pour l'instant, au niveau des armées, hein, donc il y a forcément des études qui sont faites en ce sens, puisqu'il y a aujourd'hui des avions qui le font. Donc, s'ils envoient des avions avec des humains à bord, des pilotes en l'occurrence, on pourra envoyer un drone. Oui. À ma connaissance, il n'y en a pas encore, sauf erreur de ma part, mais ce serait plus dans le domaine militaire. Oui. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle du domaine militaire, le drone sert aussi à la guerre. Parce que j'ai lu récemment que pendant la guerre d'Irak, jusqu'à maintenant, Israël utilise beaucoup, et les Américains ont beaucoup utilisé les drones pour éliminer des gens qui leur semblaient nécessaires à éliminer, enfin, façon de parler. En effet, en fait, le drone, ça a été d'abord dans le domaine militaire. Hein. Ouais. C'est après que le drone est rentré dans le domaine civil. Ah, il a même commencé par le... Ah oui, c'est l'inverse. L'historique du drone, c'est d'abord dans le domaine militaire, dans le domaine du loisir, et après dans le domaine professionnel. D'accord. Mais malheureusement, effectivement, le drone aujourd'hui est utilisé, mais ce sont vraiment des appareils très, très, très pointus ou qui sont commandés. Très différent de ça, de toute manière. C'est différent, mais je dirais que celui-ci, c'est une miniature de ce qu'on peut faire avec des drones militaires. Cette machine que vous voyez, c'est un drone où il a une portée à peu près de 10 km. C'est-à-dire que... 10 km en... C'est-à-dire qu'on peut le télépiloter jusqu'à 10 km sans l'avoir en vue. Sans l'avoir en visibilité.
Sauf que la réglementation européenne aujourd'hui, depuis janvier 2021, nous impose effectivement un certain nombre de règles. Et pour pouvoir répondre à ce type de scénario, ben, il faut forcément avoir des dérogations, des choses un petit peu particulières. Et le drone arrive à quelle hauteur ? Alors là, c'est pareil, hein, c'est en fonction du constructeur. Hein. Ce sont des appareils à la verticale qui peuvent très allègrement dépasser les 5000 pieds. Ah, quand même. Voilà, donc, mais là, c'est pareil. Nous sommes assujettis à une réglementation. Oui. Aujourd'hui, nous sommes passés de 150 mètres à 120 mètres. Ça a réduit Oui, ça a réduit. Et donc voilà, donc nous sommes aussi bien limités sur l'altitude, mais aussi sur la distance. Donc, c'est pour cela que j'appelle tout un chacun, je profite de l'occasion, hein, encore merci, pour dire aux gens qu'un drone, ce n'est pas un jouet. Oui. Ce n'est pas un jouet. Alors, si on vous a offert un drone pour votre anniversaire, pour les fêtes de fin d'année, faites bien attention, ce n'est pas un jouet. On ne peut pas laisser un drone comme ça à n'importe qui. Voilà, il faut avoir un minimum, une base. Mmh. Et nous sommes là pour répondre à ce genre de demande. Autre chose, c'est que, enfin, vous devez le savoir, José, c'est que maintenant, on fait de la livraison en drone. Aux États-Unis, Amazon et d'autres firmes commencent à livrer des colis, des choses comme ça en drone. Ça va arriver en Guadeloupe un jour ? Ben en fait, je ne peux pas tout dire, mais nous avons un projet effectivement très intéressant dans ce sens, qui a été déposé d'ailleurs, mais qui ne sera pas un projet similaire à ce qu'Amazon développe ou que La Poste est en train de développer et que d'autres sociétés américaines sont en train de développer. Mais on sera, je dirais, les précurseurs dans ce domaine. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le drone peut servir aussi à la livraison. Ben nous sommes en plein dans un domaine où nous sommes en plein dans l'actualité, hein, et ce projet en question répondra justement au fait d'actualité, entre guillemets, je dirais, qui permettra aux professionnels de santé. J'allais dire ça, c'est professionnels de santé, j'imagine. J'ai déjà trop dit. D'accord, on va pas fouiller, nous pouvons fouiller au plus que ça. On va se contenter de ça, mais en fait, ça prouve que finalement. Alors, l'autre aspect du drone aussi, on a dû le voir ces jours-ci, c'est la surveillance aussi des barrages, surveillance policière aussi. Alors, il est vrai que Alizéa Drone a été par moments sollicité par les forces de l'ordre pour faire ce genre de mission, pas dans le cas que tu viens de citer, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre utilisent cette technologie pour pouvoir faire de la surveillance à haute altitude et puis aussi, je dirais, sécuriser des événements un petit peu particuliers. Ça peut être n'importe quoi comme événement, ça peut être des festivals, ça peut être... Une manifestation, etc. Voilà, absolument. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus de nos têtes, en fait. Alors, en général, quand on est sur la route, on regarde la route. Oui, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les contrôles routiers peuvent s'effectuer aussi à l'aide de drones. Oui. Donc, je demande simplement... Ils sont aussi efficaces ? Voire plus efficaces. Plus efficaces que beaucoup plus efficaces. Que le radar. Je vous donne un exemple. Le drone que vous voyez, nous avons un capteur que nous installons là-dessus, qui peut automatiquement suivre une voiture et l'affiner, donner sa vitesse. Même donner sa vitesse. On peut même avec cet appareil, à distance, mesurer un élément à plus de 1200 mètres. Donc, ce sont des appareils qui sont très perfectionnés et, comme je disais, des outils au service de l'homme. D'accord. Et pas seulement pour la surveillance. Oui, j'imagine, non, mais pas seulement surveillance, puisque. Voilà. Alors, est-ce que quand même l'aspect artistique se développe quand même avec le dronage, je vais parler comme ça. Alors oui, heureusement, nous avons des élèves que nous avons formés. Hein, pour ne pas le nommer, mon ami Bruno Michovine, qui est un photographe professionnel et qui excelle aujourd'hui grâce au drone. Enfin, en plus de ses compétences, il a entré le produit drone, je dirais l'outil drone dans son activité quotidienne. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un élément supplémentaire pour lui et je vois qu'il a de très très belles réalisations. Voilà. Donc il n'y a pas que lui. Hein. Ouais, non. Il faut avoir un drone de ce type-là pour faire ce genre de réalisation. Ah non, absolument pas. Donc on peut être beaucoup plus modeste et réaliser de très 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 belles choses parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le constructeur en question propose différentes gammes, différents types de drones et en fonction des besoins, en fonction du métier,
Par exemple, un photographe n'a pas besoin de ce type d'appareil. Alors moi qui suis journaliste, j'ai envie d'acheter un drone, oui, pour pouvoir faire des reportages, etc. Qu'est-ce qui me serait conseillé? Ben, ce sera un petit drone, ouais, en termes de qualité, ben, qui va t'offrir les mêmes qualités. Hein, ouais. Donc, en l'occurrence, ce sera un appareil comme celui que Bruno Mais il faut avoir un permis quand même de drone. En fait, c'est une formation certifiante, que nous dispensons. Formation diplômante. Voilà, ouais, certifiante. Et avec un examen, oui, qui est dispensé par la DGAC, qui est obligatoire. D'accord. D'accord. Une fois que vous avez cet examen, donc pour pouvoir évoluer en tant que professionnel sur le département ou les départements, nous on accompagne en fait l'apprenant pour qu'il puisse obtenir ce qu'on appelle un protocole d'accord avec la DGAC, plus précisément avec la tour de contrôle. Et chaque fois que nous réalisons des missions, je dirais dans la CTR, donc c'est la zone qui est contrôlée, hein, au niveau de la réglementation aérienne, donc la... Et chaque fois que nous utilisons le drone dans cet espace aérien qui est contrôlé, nous devons être en relation avec la BGTA, mais également aussi avec le chef de tour. Voilà. Oui. Et ça, c'est du direct. Hein. Oui. Il y a des démarches administratives que nous faisons aussi en relation avec la préfecture. Et puis, si on rentre dans d'autres domaines, oui, on va par exemple travailler avec l'ONF, le PNG, le Parc National de Guadeloupe, etc. Oui. Et donc, du point de vue de l'entreprise, c'est un secteur quand même qui progresse ? C'est un secteur qui progresse, c'est un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que les formations que nous dispensons sont des formations qui permettent à tout un chacun, soit d'avoir une compétence supplémentaire s'ils sont déjà professionnels dans ce domaine, oui, mais aussi de créer leur activité comme moi-même, je l'ai fait, mmh, il y a déjà quelques temps. Et donc... Nous sommes quand même fiers de dire qu'à travers cela, nous avons créé des dizaines d'emplois directs et des dizaines d'emplois indirects. Bon, voilà. Ben c'est une très bonne chose pour Alizéa. Un dernier mot peut-être ? Oui, alors Alizéa Drone, ben, nous sommes disponibles sur les trois territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et nous sommes au 06 90 458 648. Et j'en sais quelque chose, puisqu'on a eu à utiliser le drônage pour un documentaire que nous avons réalisé dernièrement. Merci en tout cas, José, d'être venu nous expliquer tout ça. C'est moi qui te remercie. Et j'espère que les Guadeloupéens vont comprendre que le drônage sauvage, ben, il faut nous arrêter ça. Il faut s'organiser et puis se former surtout. Se former. Voilà. Et tenir compte de la réglementation. Voilà. Il est 12h50, on va faire un petit point santé, comme de chaque jeudi après la conférence de presse du préfet, de Madame de Nux et de la rectrice, c'est Olivier Félix. On va voir ce qui a été dit hier et que vous avez sûrement déjà entendu, mais c'est pas mauvais de le réentendre. À tout de suite. Alors au niveau de l'hôpital, il y a eu, ce matin, il y avait 151 personnes hospitalisées pour le Covid. 151 personnes. Parmi ces 151, il y en a 116 qui sont rentrées la semaine dernière. Donc, vous voyez, ça s'accélère. Avec 15 personnes qui sont rentrées en soins critiques la semaine dernière. Et ce matin, nous avions encore 16 personnes en réanimation pour le Covid. Parmi ces 16 personnes, il y en a une en réalité. En réalité, c'est 15 personnes rentrées en réanimation pour le Covid. Il y en a une autre personne qui est en réanimation avec le Covid, mais qui est rentrée pour autre chose. Un accident de la voie publique. Et donc, on s'est rendu compte que la personne était positive. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on fait un suivi très précis de la vaccination de ces personnes, pour pouvoir vous le dire de manière très factuelle. Clairement, aujourd'hui, il y a une personne vaccinée en schéma vaccinal complet en réanimation, c'est la personne entrée pour l'accident de la voie publique. Donc il a du Covid, mais en réalité, c'est pas pour ça qu'il est en réanimation. Parmi les autres, il y a une autre personne qui a une vaccination, une seule dose, qui n'avait pas de schéma vaccinal complet, et tous les autres ne sont pas vaccinés. Voilà. Donc, je pense que c'est simplement factuel, il faut qu'on se le dise. Moi, je suis très inquiète pour les semaines à venir parce qu'on ne sait pas ce que donne l'Omicron sur une population fragile non vaccinée. Je ne sais pas vous le dire. J'espère que ça ira, qu'on arrivera à absorber le choc. Donc on a prévu d'augmenter jusqu'à 16 lits de réanimation supplémentaires dans les prochains jours. Nous sommes à 35 lits au total sur le territoire. Nous allons monter à 51 lits. Nous avons demandé des renforts pour cela au national. Nous en aurons un peu.
je ne sais pas jusqu'à combien, ils vont essayer de nous aider, mais très clairement, ça va être au prix probablement donc de déprogrammation, d'intervention chirurgicale ou d'autres prises en charge pour arriver à augmenter le nombre de lits de réanimation sur notre territoire. Je souhaite vraiment vous dire que je suis inquiète pour les prochaines semaines. Je ne sais pas où on va, dans le sens où nous n'avons pas de recul face à Omicron dans le cadre d'une population très peu vaccinée. Donc faites-vous vacciner, faites-vous protéger, protégez-vous, faites les gestes barrières, parce que là, franchement, on peut atteindre vraiment des choses dramatiques vu le nombre de cas que l'on a chaque semaine. Merci. Quand on avait réabordé nos points presse et nos comités des élus, j'avais dit qu'il y avait deux indicateurs qui me semblaient extrêmement importants à suivre pour voir l'évolution de la situation et des décisions que nous serions amenés à prendre, parce que le taux d'incidence montrait déjà qu'on était sur des taux très 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 élevés, notamment du fait du nombre de tests. Ces deux taux, c'était le taux de positivité et la pression à l'hôpital. Si les chiffres continuent à augmenter sur le nombre global de gens qui sont contaminés, sur le taux de positivité, on s'aperçoit quand même que cette semaine, on a une tendance, comme l'a dit Madame la Directrice Générale, à la décélération, c'est-à-dire qu'on a une augmentation qui est plus faible que celle qu'on a connue dans les semaines précédentes. Je n'y vois pas encore un signe d'encouragement, j'y vois juste peut-être la possibilité que nous atteignions un plateau en termes de contamination, ce qui en soi serait un point positif, puisqu'un plateau, soit ça continue à augmenter et auquel cas il faut prendre d'autres décisions, soit c'est le signal que nous sommes arrivés au sommet et que nous pouvons commencer à imaginer la descente. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans une situation là où, pour l'instant, il y a une incertitude assez forte sur la suite de la contamination et sur la suite de l'épidémie de la cinquième vague. Le taux de reproduction du virus est redescendu à 1,5. Alors, il est redescendu parce qu'il était monté très élevé, il était au-dessus de 2. Aujourd'hui, il est à 1,5. Ça veut dire que quand vous avez une personne contaminée, vous avez une personne et demie en plus qui va être contaminée. C'est-à-dire que quand vous avez deux personnes contaminées, vous en aurez 6 qui seront, 6 qui seront contaminées à l'issue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours une augmentation, il y a toujours une accélération. En revanche, cette accélération, elle est plus faible. Et donc, ça milite pour dire que les mesures que nous avons prises, a priori, fonctionnent. Moi, je veux continuer à garder cette idée en tête en disant que les mesures que nous avons mises en place et la façon dont elles sont appliquées, et je vais y revenir, fonctionnent aujourd'hui et que nous n'avons pas à basculer dans un régime administratif de mesures de freinage qui serait beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et plus compliqué à vivre. Vous le savez que, et je l'ai déjà dit, l'étape suivante, si nous n'arrivons pas à juguler cette cinquième vague, ça sera évidemment des mesures de confinement. Et ces mesures de confinement, personne n'a envie d'y aller concrètement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est à une semaine qui est extrêmement importante, puisque c'est celle qui va nous permettre de voir si les mesures que nous avons mises en œuvre vont permettre d'arriver à ce plateau et d'arriver ensuite à une décroissance du nombre de cas. Parce que si le taux de positivité, lui, est stable, la pression à l'hôpital est en train d'augmenter. Et cette pression à l'hôpital ne pourra être absorbée, ne pourra passer que si nous n'avons plus d'augmentation du nombre de cas. Et si nous abandonnons après, à partir de cette semaine, une décroissance du nombre de cas. Tout ça pour vous dire que, concrètement, nous n'avons pas décidé avec les élus, à l'occasion du comité des élus, d'augmenter la pression en matière de mesures administratives, mais de conserver celles que nous avons jusqu'ici, et de les appliquer strictement, et de vous demander à tous, et de nous demander à tous, en matière de responsabilité individuelle et collective, de continuer à expliquer l'ensemble de ces mesures et l'ensemble de ces gestes qui sont maintenant bien connus, et qu'il faut que nous puissions continuer à appliquer strictement pour que ça fonctionne et que nous ne soyons pas obligés d'arriver à une phase de confinement qui sera celle que nous serons obligés de prendre si jamais nous ne parvenons pas à diminuer le nombre de cas et que la pression à l'hôpital devient intolérable. Concernant l'Académie, les chiffres sur 7 jours glissants, nous sommes à 1226 cas. Pour donner une échelle, ça représente 1,2% des élèves et personnels de l'Académie. Et par rapport à 1253 la semaine précédente, c'est-à-dire que nous sommes plutôt stabilisation, voire légère baisse, mais ce qui est une situation qu'on a régulièrement constatée après des retours de congés où on a souvent eu des pics et ensuite des diminutions progressives dans la mesure où dans les établissements et les écoles, les élèves respectent mieux les gestes barrières que lorsqu'ils sont dans la rue ou avec leurs amis à jouer ensemble. Concernant les fermetures, nous avons 4 écoles qui sont fermées en raison d'absence de personnel des collectivités.
et nous avons 173 classes, ce qui représente 4,2% des classes au niveau de l'ensemble de l'académie, avec évidemment le côté positif, à savoir que 96% des écoles et des classes, plus exactement, sont ouvertes. Alors évidemment, nous avons mis en place tout un ensemble de moyens pour assurer la situation et assurer le remplacement. Nous avons bien entendu des moyens de remplacement habituels que nous utilisons. Nous avons plus de 500 remplaçants sur l'académie, donc ils sont prioritairement mobilisés pour venir en soutien. Nous avons également mis en place, ou en tout cas des recrutements sur liste complémentaire du premier degré. Et nous avons là 4 personnes sur les 9 sur liste complémentaire qui ont déjà donné leur accord. Nous recrutons des contractuels. Dans l'appel que nous avons mené, nous avons 2 retraités qui ont donné leur accord. Nous avons des contractuels que l'on connaissait, une dizaine, et auxquels nous avons fait référence. Et nous avons évidemment recruté des nouveaux, sachant que notre appel a trouvé un certain écho. Nous avons eu plus de 900 mails et nous sommes actuellement à une trentaine de personnes recrutées ou en cours de recrutement. À noter que nous avons également des moyens de protection et de détection, puisque nous avons des masques chirurgicaux et FFP2 qui doivent être livrés prochainement. Normalement, ils doivent arriver le 24 janvier, d'après les informations qui nous sont données. Nous avons des autotests qui sont arrivés également et qui sont dans les établissements et que l'on met à disposition des personnels, mais également des élèves. Nous avons également un soutien qui est apporté aux collectivités territoriales pour l'achat de capteurs CO2, et nous sommes évidemment en lien avec ces collectivités. Enfin, évidemment, il faudra, et ça a été évoqué par Madame la Directrice Générale, la vaccination reste quand même un élément important en termes de protection. Voilà, il est exactement 12h59. Vous avez vu le point qui a été fait au niveau sanitaire. Donc la situation est à la fois grave et en même temps, comme le taux d'incidence n'a pas beaucoup évolué, il a même baissé. Donc ça laisse penser que peut-être, puisque la question a été posée hier au préfet, qu'il y aurait une possibilité de faire un petit acte carnaval, parce que le carnaval, ça ne se décide pas, ça ne se prépare pas en 2 jours et ni en 3 semaines. Mais bien sûr, au leader haïen, quand j'ai vu que Akio a envoyé une lettre ouverte, a adressé une lettre ouverte au préfet, le préfet l'a reçue. Et donc, ça signifie qu'il y a des groupes qui pourront au moins faire des déboulés. Mais le grand carnaval tel qu'il s'organise chaque année, même si la situation s'améliore dans les jours qui viennent, je ne pense pas que le groupe de carnaval, les organisations du carnaval auront le temps d'organiser un big carnaval comme on connaît habituellement en Guadeloupe, mais enfin, comme on a dit, à Yempiled. On attend donc de voir, prenez vos précautions comme il faut, vous le savez, j'ai dit de ça, portez masque là, faites attention, pas faire pont cluster, pas sembler à 150 à d'un côté, et donc on verra dans quelle mesure, dans quelques jours encore, on reviendra mercredi prochain, il y aura encore un point Covid, et jeudi, on vous dira exactement ce qui aura été décidé. 13h, 1 minute, on prend la pause, et puis tout à l'heure, on va débuter avec Jean-Denis Legrave, secrétaire adjoint coordonnateur de mandat à la Mutualité française de Guadeloupe. C'est tout de suite après la pause. Voilà, il est déjà exactement 13h08, minutes et c'est l'heure de retrouver, je vous l'ai dit, Jean-Denis Legrave, qui est secrétaire adjoint coordonnateur des mandats de la Mutualité française. C'est la chronique de la Mutualité française. C'est parti. We'll be right back.
Bien sûr, nous sommes jeudi et le jeudi, comme toujours, c'est la chronique de la mutualité. Aujourd'hui, nous allons parler des conférences citoyennes et pour cela, nous avons avec nous M. Jean-Denis Legrave qui est administrateur de l'Union régionale de la mutualité française. Bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, c'est la bonne année, mais aussi c'est le moment de parler des grandes choses. Et ces conférences citoyennes, M. Legrave, de quoi s'agit-il exactement? Oui, permettez avant que je précise qui je suis. Je suis donc Jean-Denis Legrave, retraité de préfecture et avec une appartenance mutualiste à Intérial. Oui. Alors Intérial, c'est une mutuelle naturellement de la fonction publique État territoriale et du ministère de la Justice. Et c'est aussi la première mutuelle du ministère de l'Intérieur. Alors, à ce jour, je suis donc, comme vous disiez, administrateur de l'Union régionale de la mutualité française et donc j'œuvre en qualité de secrétaire adjoint, mais aussi de coordonnateur de mandat. Alors, permettez que je donne un sens à cette appellation. Oui. Alors, le coordonnateur de mandat a pour mission, naturellement, d'assurer les liens entre le national et le local. Et c'est aussi, il se doit de veiller, si vous voulez, à la cohérence des positions tenues par les mutualistes qui vont dans les différents lieux et organismes tels l'ARS, tels le Césaire. Oui. Comme vous le savez, le Césaire, je ne vous apprends rien, c'est le Conseil économique, social environnemental, régional. Voilà. Il y a aussi dans les caisses de sécurité sociale. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous parlerai des conférences citoyennes du grand débat. Oui. Alors il faudrait peut-être expliquer un peu ce que sont ces conférences citoyennes. C'est important qu'on le sache. Tout à fait. Alors ces conférences se sont tenues dans la deuxième phase du grand débat national selon le même programme. Oui. Ce sont des ateliers participatifs au profil diversifié, tant à l'âge, au genre, aux catégories socio-professionnelles du département, des régions. Voilà. Et elles ont réuni à chaque fois entre 70 et 100 participants au profil qui ont été tirés au sort et représentatifs de la diversité sociologique de chaque région. Okay. Voilà. Lors de ces conférences, les participants étaient répartis en groupes et travaillaient sur 4 thèmes. La transition écologique, la fiscalité et les finances publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Alors, il ne faut pas non plus oublier que nous sommes proches des élections présidentielles. Oui, justement. Et là, la mutualité représente beaucoup de citoyens. Elle nous invite donc à participer à son débat social. C'est pourquoi, pour cette présidentielle 2022, la mutualité renouvelle l'opération Place de la Santé, qui avait déjà été initiée en vue de recueillir les différentes attentes de ses adhérents, en particulier sur le sujet de l'accès aux soins. Chacun peut participer naturellement à cette opération en exprimant son opinion sur le site internet, placedelasante.fr. Alors, tout est rattaché, hein, oui. placedelasante.fr. Alors, M. Legrave, la question va se poser tout de suite. Est-ce qu'il y a eu un vrai diagnostic de la transition écologique? Oui, il y a eu deux, individuels et collectifs. Oui. Et à cet égard, nous avons entendu un nuage de mots tels réchauffement de la planète, énergie renouvelable, l'avenir de notre planète, la pollution, le nucléaire. Et sur le plan collectif, la liste de ce qui va bien et ce qui va mal a été dressée également. Oui. Tout à fait. Ainsi, nous avons noté une prise de conscience de l'impact des activités humaines sur notre planète.
nous avons fait des constats aussi, il faut trouver une autre manière de consommer et de construire. À cela, il y a naturellement de nombreux freins et verrous. Oui. Et ils sont de plusieurs ordres, d'ailleurs. Alors, d'ordre législatif, avec une incohérence des lois sur les véhicules, lois sur le gaspillage trop timoré, oui, ou mal expliqué. Il y a eu des intérêts contradictoires, tels incitation à acheter des véhicules diesel, oui, puis son interdiction pour aller vers les véhicules électriques et hybrides. Oui. Voilà. Ensuite, il y a aussi d'ordre économique, le pouvoir des lobbies. Ça, ça ne manque, oui, pas dans le milieu automobile et du pétrole. Oui, tout à fait. Bien que les effets néfastes du diesel aient été prouvés, les lobbies incitent naturellement encore à acheter des véhicules qui fonctionnent avec cette énergie. On pourrait ajouter d'ordre comportemental. Il est nécessaire aussi qu'il y ait un changement de nos mentalités. Alors, M. Le Grand, lors de ces conférences citoyennes, il a été aussi abordé un sujet qui, on peut dire, d'actualité, c'est le problème de la fiscalité et le problème des dépenses publiques. Alors, sur ce sujet, qu'est-ce qui a été retenu ? Oui. Alors, donc, à cette occasion de la discussion, nous avons beaucoup entendu. Impôts, égalité, répartition, taxes, etc. Pourtant, nous avons noté quelque chose de bien quand même pour, en ce qui concerne le prélèvement à la source, qui a été jugé comme une réussite. Il en est de même pour la disparition progressive de la taxe d'habitation et aussi de la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, pour ce qui est des dépenses publiques et donc l'impôt, elles permettent d'offrir au pays des services publics de qualité. Pour sa part, l'impôt et les charges sociales, ils permettent de mettre en œuvre une solidarité entre les habitants et de mutualiser les dépenses. A contrario, puisqu'il y a les contre-vérités, il a été ressenti des inégalités face à l'impôt quand il s'est agi de la suppression de l'ISF. L'ISF, c'est l'impôt sur les grandes fortunes. Voilà. Un sentiment d'inégalité a alimenté le ras-le-bol fiscal en considérant que les impôts sont trop élevés, qu'ils continuent d'augmenter et surtout que les taxes sont trop nombreuses. Le manque de transparence concernant les dépenses publiques a été aussi pointé du doigt. Mais face à cela, il y a eu des propositions, puisque nous avons été amenés à faire ces propositions. Ainsi, nous avons retenu renforcer l'information sur la fiscalité et les dépenses publiques, réduire les dépenses publiques afin de limiter le déficit et dépenser mieux. Il faut réduire le millefeuille administratif. Il y a eu une action timide, j'allais dire. Il n'y a pas eu vraiment de réduction, puisqu'il y a eu une modification du texte de loi, mais le résultat a été de rajouter la complexité dans la complexité. Oui. Et oui, il faut accroître aussi la contribution de ceux qui peuvent le plus et redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. On pourrait dire que les mutuelles, et nous avons entendu ça, ne sont pas de bons exemples de redistribution des charges sociales, que celles-ci ne sont pas transparentes et qu'elles sont un mauvais usage à leur cotisation. Tout cela est faux. Parce que quand je vous dirai que l'augmentation des cotisations est discutée en Assemblée générale, d'accord, pour toutes les mutuelles, je le précise. Et de plus, cette augmentation représente le reflet même des dépenses de santé. En effet, pendant la pandémie, comme vous le savez, les dépenses de santé ont été nombreuses. Ouais. Et de ce fait, les mutuelles ont été très largement sollicitées. Enfin, il faut le rappeler, nous sommes soumis à l'obligation de transparence, oui, de par la CPR. Tout à fait. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel
et de la résolution qui veille au grain. Qui contrôle, surtout. La cohérence de toutes les décisions. Alors, cette organisation de l'État et des services publics, est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés, on peut dire, dans le domaine où ne correspondent-ils pas aux besoins réellement du public, aux besoins communs, cette organisation ? Alors, il faut savoir que le fonctionnement démocratique des pays est reconnu et les fonctions régaliennes de l'État sont assurées, bien sûr. Nous avons assisté, fort heureusement, à un rajeunissement et un renouvellement des élus. On peut penser que le service public protège le citoyen et assure une forme d'égalité de chacun. Cependant, l'organisation de l'État est perçue comme complexe, rigide, peu transparente et surtout redondante. On a noté un trop grand nombre d'élus et de fonctionnaires administratifs, alors qu'il faudrait davantage de personnel sur le terrain, au service des usagers, bien sûr. Le mal-être est noté parmi les agents des services publics, notamment de la santé, de la justice, de l'éducation, et ce, en partie, du fait que le travail est fait à flux tendu. Alors, le fort sentiment de campagne électorale permanente a été ressenti également. Le temps des mandats empêche certains projets de se réaliser, d'où les promesses non tenues et l'impression de réforme permanente. Face à cela, il y a eu plusieurs propositions pour réaffirmer le sens de l'État et des services publics. Il faut associer et informer mieux les citoyens, être plus proche des besoins et des spécificités des territoires. Des idées émergent pour associer les citoyens à la gouvernance des services publics. Alors, bien sûr, la question qui va se poser, c'est celle de la démocratie et de la citoyenneté. Est-ce que, quand on écoute tout ça, on peut dire que la France est une démocratie réelle ? Alors, au cours de la discussion, il y a eu un florilège de mots. Référendum, liberté, participation, respect, égalité, vote blanc, vote obligatoire. Il ressort que la France est une démocratie réelle. Oui. C'est une bonne chose. Elle garantit le droit de vote, la pluralité, les libertés d'expression, le respect de la séparation des pouvoirs. On remarque qu'il y a un véritable problème d'engagement citoyen. Par exemple, lors des élections, on observe un fort taux d'absentéisme. On peut se demander pourquoi. Perte de confiance envers les élus, cherté de la vie. Ce sont des questions qu'on se pose pour cela. C'est pour cela que les citoyens retrouvent une confiance envers la démocratie et ses valeurs qu'il est important de continuer à réaliser des conférences citoyennes afin qu'ils puissent s'exprimer et rester informés. Mais voilà, tout est dit, Monsieur Legrand. J'espère que nos téléspectateurs ont retenu donc ce grand débat sur les conférences citoyennes à la veille des élections présidentielles en France. Il était important de faire tous ces rappels. Voilà. Très bien. Monsieur Legrand, je vous remercie. Je reste à la disposition des mutualistes qui voudraient de plus en plus de renseignements. Et bien sûr. On essaiera, autant qu'on faire se peut, de leur en apporter. Répondre à leurs questions et à leurs attentes. Très bien. C'est nous qui vous remercions d'être venus. Merci. Voilà. Très bien. C'est fini pour la mutualité française aujourd'hui. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Très bien. Merci. Voilà, il est exactement 13h24 dans le ZCL News. Je vous l'ai dit, dans un instant, on va recevoir Samantha Gou, qui est la responsable de communication de la vie et des relations publiques de la ville de Petit Bourg, avec elle on fera un petit peu le point sur son fonctionnement, sur la communication dans une collectivité. La semaine dernière, je vous rappelle que nous avions reçu la responsable de communication de Cap Excellence, c'était Fiona Cancel, et cette fois-ci, eh bien, c'est une communauté différente, une collectivité différente, celle de la ville de Petit Bourg, et ce sera avec Madame Gou. Dans un instant, on prend une deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, il est exactement 13h31, nous avons plaisir à accueillir Madame Samantha Gros, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs de Canadis, de ZCS. Vous êtes directrice de la communication des relations publiques de la ville de Petit-Bourg. Alors j'explique encore le concept pour les gens qui prendraient. Depuis 3 semaines, chaque semaine, nous recevons ici un ou une professionnelle de la communication. Pourquoi ? Parce qu'il y a un BTS de communication qui se fait dans la ville de Bastia, au lycée Gervais-Riache. Il y a des jeunes hommes et femmes, jeunes filles et jeunes hommes qui se préparent à la communication et qui sont en train de se former théoriquement. Alors ça, c'est une formation, c'est quelque chose, je suis passé par là, et on se forme théoriquement. Par contre, dans la réalité concrète qui n'est pas virtuelle, les communicants ont des comportements, ont des réactions, ont un mode de fonctionnement. Quelquefois, et la semaine dernière, c'est Fiona Cancel qui le disait, il y a un petit peu de décalage entre ce qu'on apprend sur les bancs de l'université ou de l'école et ce qui est la réalité. On verra ça tout à l'heure avec Samantha. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est cette visite de la région à la ferme aquacole de Pointe-Noire, puisque vous savez qu'à Pointe-Noire, il y a un endroit où, c'est vrai, il y a des poissons, mais aussi des oiseaux, des crevettes, etc. Et on avait un sentiment, un moment après le dernier que cette ferme avait disparu, eh bien, elle a été relancée, d'où la visite de Stanley Manicor, qui a accompagné la région. On regarde le reportage, c'était à Pointe-Noire, c'est tout de suite. La région a mis l'aquaculture comme un secteur stratégique, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une vraie demande sur la consommation de produits de la mer, mais qu'il y a un problème de ressources halieutiques. Et l'aquaculture, c'est un domaine aujourd'hui qui est en expansion au niveau du monde. Nous avons de vrais atouts en Guadeloupe. Nous pouvons développer quand on sait que en un an, on fait ce que d'autres en pays d'Europe font en 4 ans. Il y a vraiment de l'espoir, il y a vraiment en fait un potentiel extraordinaire en termes d'emploi, d'activité, et puis surtout en termes d'enjeux d'autosuffisance alimentaire. Il faut quand même régulièrement aller vérifier tout ce qu'on ne voit pas sous l'eau, là, comme le disait Dimitri, c'est que vous avez un réticule d'ancrage. Il y a une ligne d'ancrage nord-sud avec deux ancres charrues de 500 kg de chaque côté, et puis ensuite des lignes transversales. On a réussi parce que l'objectif de la journée, c'était justement de les imprégner des enjeux, de leur faire partager nos problèmes et nos préoccupations. Donc comme on a affaire à une nouvelle mandature, c'est des élus fraîchement élus, on va dire. L'idée, c'était vraiment ça, de leur faire comprendre qu'il y avait un vrai potentiel en Guadeloupe pour l'aquaculture, notamment marine. Et on a mis l'accent sur tous les points de blocage, les points de freinage, donc essayer de voir comment, avec la collectivité, on peut essayer d'avancer. Par contre, il y a des blocages. Et la journée, cet atelier, en fait, a permis de réunir l'ensemble des acteurs autour d'une table pour qu'on discute déjà des procédures, des moyens qui sont mis en face, mais aussi qu'est-ce qui ne colle pas, qu'est-ce qui fait que l'aquaculture ne prend pas plus d'ampleur en Guadeloupe. Nous avons relevé un certain nombre de freins, nous avons sujet quelques propositions d'action à mettre en œuvre, et surtout une réduction drastique des délais d'instruction. C'est pas normal qu'on entende des délais comme 5 ans, 6 ans, 7 ans entre le fait d'entamer son projet et de l'aboutir. Il y a des perspectives, ça c'est clair, et il y a un déficit en matière de produits aquatiques en Guadeloupe. Donc nous, l'idée, c'est ça. C'est pas du tout de concurrencer les pêcheurs qui ont une gamme de produits qu'on pourra jamais proposer, mais c'est plutôt d'essayer de réduire un peu la part de l'importation dans notre alimentation. Que nous prenons conscience que là, ça, notre littoral, la mer, mais aussi ce que nous pouvons offrir dans notre écosystème en Guadeloupe, mais nous avons de l'or en barre, et il faut que le Guadeloupéen puisse en bénéficier. Bien, nous étions à Pointe-Noire donc pour cette visite maritime. Nous aurons l'occasion de reparler de Pointe-Noire. Mais pour aujourd'hui, je vous l'ai dit, on parle communication avec les étudiants du BTS Communication de Gervais-Riache qui regardent en ce moment l'émission. On leur souhaite la bienvenue, salut à vous. Et ils sont pas en présentiel puisque vous savez que dans les écoles, dans les établissements scolaires aujourd'hui, la plupart des étudiants sont dispersés, les écoles même sont fermées. Donc ces étudiants et étudiantes sont chez eux. Ils peuvent intervenir sur le Facebook du ZCL News ou sur le Facebook de Canadis, nous vous envoyer des questions, éventuellement s'il y avait des incompréhensions. Et même après l'émission, comme il y a le replay, ils pourront toujours mettre leurs observations sur le Facebook de l'émission. Alors, Samantha, première question toute simple, depuis combien de temps vous faites de la communication ?
Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Ça fait déjà 15 ans. Oui, oui. Ça fait déjà 15 ans, en tout cas, que je suis une professionnelle de la communication, donc que j'en vis. Oui. Voilà. Et sinon, ça fait un petit peu plus longtemps qu'on considère toutes les périodes, on dira, de stage, de contrat et tout, mais 15 ans, ouais, vraiment. Qu'est-ce qui vous a conduit à la com? Alors, la communication, c'est, je dirais que c'est un battement de cœur. J'ai choisi très tôt hein, la communication. J'avais à peu près 14 ans. Donc, ah bon, je 14 ans déjà. Voilà, je n'étais pas encore au lycée. Et j'ai eu l'opportunité, lors d'un voyage tout bête avec mes parents à Paris, de passer devant une école, qui est, une école, qui est le CELSA à Paris, ah, qui est une école CELSA. De journalisme et de communication. et je me suis intéressée à cette école, qui est magnifique, voilà. Et il se trouve que, en m'intéressant à cela, je me suis aussi intéressée à mon orientation, quoi, tout simplement. Et il s'avère que j'ai passé un test, comme souvent le font les étudiants, des sortes de tests pour connaître leurs qualités, voilà, un peu innées. Et il se trouve que le secteur de la communication était un secteur dans lequel je pouvais me positionner. Et oui. C'est comme ça que j'ai choisi la communication, tout simplement. Donc même avant le bac, voilà. Alors aussi, je comprends bien. Ah, bien, bien avant le bac. Je n'étais même pas encore en seconde. Hein. J'étais, ouais. J'étais collégienne encore. Collégienne. Et après, donc, après le bac, vous choisissez une formation ou bien qu'est-ce que vous faites? Vous débutez dans la communication, comme on dit, bliquement? Alors non, ce qui se passe, c'est que surtout qu'au collège, alors quand je découvre que oui, j'ai un battement de cœur pour la communication, je me dis, je vais m'orienter au lycée dans une filière généraliste. Parce qu'il n'y avait pas encore de BTS communication à l'époque. Non, il n'y avait pas de BTS communication, ni même de formation en communication proposée, proposée en Guadeloupe, ni en Martinique. Là, voilà, ni en Martinique. Et donc du coup, moi je me suis dit, bon, ben, je vais faire une filière un peu généraliste je vais voir. Je vais voir, parce que j'étais quand même encore jeune. Et même si, oui, ça me plaisait bien, mais je n'étais pas assez mûre, je pense. Et du coup, je choisis quand même le généraliste. Donc, je fais un bac SES, un bac sciences économiques et sociales. Oui. Et puis, ensuite, je m'oriente d'abord, dans un premier temps, vers un DEUG en économie et gestion. D'accord. Et par la suite, suite à l'obtention de mon DEUG, alors là, c'est confirmé, je veux vraiment faire de la communication, je veux vraiment avoir l'opportunité, en fait, de développer mes compétences. Et d'ailleurs, lors de mon parcours universitaire, mes présentations orales, et puis mon goût pour la littérature et l'écriture vraiment se révèle. Et du coup, après le DEUG, je décide vraiment de m'engager dans la communication. Et de là, je passe en fait un concours pour intégrer une formation en magistère. C'est un magistère de journalisme et de communication à Aix-en-Provence, à l'université d'Aix-Marseille 2. Et donc, je suis retenue. Et l'avantage de cette formation à l'époque, c'est qu'elle me permet non seulement d'être formée en communication, en journalisme, et aussi de poursuivre en fait mon master en économie. D'accord, donc vous avez deux formations à la fois. Voilà. Et donc, une fois la formation terminée, vous débarquez sur le terrain quand même. Voilà, tout à fait. Donc, au cours de mon cursus, donc, j'obtiens mon magistère, également mon master en économie. Et il s'avère qu'au cours de mon cursus, je fais des stages, notamment dans la fonction publique, à la mairie d'Aix-en-Provence, à la mairie de Marseille également. Je découvre aussi le journalisme parallèlement, mais mon goût pour la communication. Oui, vous avez même collaboré à une radio, je crois, à un moment. Oui, en local, exactement. Oui. Donc, j'ai eu cette opportunité, très belle opportunité, où j'ai beaucoup appris, parce que c'est vrai que je dirais que les métiers de journaliste et de communicant sont vraiment en connexion, qui est quasiment quotidienne, d'ailleurs, je dirais, et qu'il est important de comprendre le métier du journaliste pour être un bon communicant. Tout à fait. Donc, je confirme ça. D'ailleurs, les anciens journalistes sont souvent demandés pour faire de la communication, vous le savez. Oui, très souvent, pour faire du conseil en communication, et parce qu'effectivement, ils ont cette approche, cette approche un peu généraliste qu'on recherche chez le communicant. Ils ont la plume aussi, ce qu'on recherche chez un communicant, une belle plume, et l'expression orale également qui est... Plus le carnet d'adresse.
et aussi le carnet d'adresses solide. Ce sont des outils indispensables pour un bon communicant. Oui. Un bon communicant qui n'a pas de carnet d'adresses, il a des difficultés. Alors, une fois que vous entrez en fonction, entre ce que vous apprenez théoriquement à Marseille en formation et la réalité, est-ce que ça se match, comme on dit, ou bien est-ce qu'il y a un petit peu divergence, il faut recadrer un petit peu? Alors, je dirais que ce que j'ai eu l'opportunité d'apprendre au cours de mes études a été utile parce que, en fait, ça sert quand même de socle. Oui. Donc, il est sûr que ce qu'on apprend doit être adapté à une réalité, la réalité oui. du terrain. Alors, qu'on travaille dans une collectivité, mairie, communauté d'agglomération, enfin, établissement public de coopération intercommunale, collectivité dite majeure comme la région ou le département, qu'on travaille dans le privé, dans une petite entreprise ou dans une très grande entreprise, voire entreprise multifiliale, etc., les réalités sont différentes. Oui. Donc, il est sûr que si on a un socle commun qui est acquis à l'école, il est certain que ce socle devra s'adapter à l'environnement professionnel dans lequel on s'intègre, en fait. Oui. Voilà. Donc, effectivement, ce que j'ai appris, je ne peux pas dire que ça m'a été fort utile, et fort heureusement que j'avais cette formation, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup sur le terrain. C'est vrai. Sur le terrain, parce que, bon, c'est vrai qu'on apprend, par exemple, la règle des 5 WH, Que j'avais appris à l'école. On apprend ça à l'école, ça. Oui, oui, oui. Bon, alors, une fois sur le terrain, vous arrivez, alors, ça fait 15 années, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Samanda, le métier que vous faites aujourd'hui a beaucoup évolué. Ah, beaucoup. Oui. Beaucoup, et surtout à cause de la révolution numérique que nous avons. Le digital, comme on dit. Le digital. Alors, ça a tout changé. Oui. Ça a vraiment tout changé. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans l'instantanéité de l'information. Et effectivement, ça a véritablement changé nos pratiques. Oui. Ça nous demande une. Alors que le communicant est déjà un professionnel à qui on demande une très grande disponibilité, oui. il est sûr qu'avec les outils digitaux aujourd'hui dont nous disposons, tous les réseaux sociaux. Ça facilite le travail ou ça le rend plus compliqué? Ça rend compliqué parce que il est difficile en fait de pouvoir être toujours d'attaque en fait. Oui. Voilà, tout ça c'est une réalité. Oui. C'est vrai que ça nous demande en fait d'être très 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 réactif et humainement ce n'est pas toujours possible. Mmh. Donc on fait de notre mieux. Il est sûr qu'aujourd'hui il y a des professionnels de la communication qui sont spécialisés sur le digital parce que c'est un vrai manager, community manager et aussi tous ceux qui interviennent en fait dans l'univers du webmastering, etc. aussi, qui c'est encore un autre métier. Et ce sont de très, très beaux métiers, d'ailleurs. Mmh. Et ce sont des métiers totalement différents, je dirais, de celui qui est chargé de communication généraliste, ou qui est en charge des relations publiques, relations presse, etc. Donc, ça reste des spécialités. Alors, c'est le nouveau logo de Petit Bourg, je crois, qui a été fait par un jeune, c'est ça? Tout à fait. C'est un concours, il me semble. C'est un concours. Oui. Voilà. Et oui. le designer, il s'appelle Gaëlan Gauthier-Ro. Donc, oui. c'est un jeune bastérien, un jeune de la Guadeloupe. Oui. Et effectivement, nous avons fait un concours, un appel à projet permettant à des graphistes amateurs comme professionnels de pouvoir se positionner. Et il se trouve que c'est ce logo qui a été retenu. Et il permet d'évoluer, c'est ça? Exactement. Oui. Bon, alors, du point de vue, alors, on va revenir sur le métier lui-même. Au quotidien, quelles sont vos tâches, Samanda? Au quotidien, quelles sont mes tâches? Donc, je ne vais pas décrire toutes les tâches que je fais parce qu'en fait, chaque journée est différente. Oui. C'est ça l'avantage aussi d'être un chargé de communication. Oui. On ne s'ennuie pas. Je dirais ça comme ça, mais pas du tout. Par contre, je dirais, de façon générale, je suis très connectée, notamment à mon téléphone dès le matin pour répondre aux mails que je reçois. Oui. J'en reçois beaucoup, puisqu'il faut savoir qu'une direction de la communication, peu importe l'organisme, est souvent une direction support, c'est-à-dire que d'autres services vont solliciter les services de la communication. Oui, oui. Voilà. Donc, faire un choix à ce moment-là? Il y a des priorités ou bien comment on traite ça? On planifie. Ah, l'urbanisme demande, le sport demande, la culture demande, etc. Comment ça s'organise? Il faut prioriser en
cherchant tout de même à valoriser le travail de chacun. Parce que c'est vrai que, bon, je dirais que la première étape, c'est déjà d'avoir une procédure. Parce que même si on est voilà, au service des autres, il faut pouvoir établir ses propres règles, entre guillemets. Oui. Donc la première chose, et d'ailleurs un responsable de communication, un directeur de communication, ou peu importe, quelqu'un en charge, chargé de communication, la première des règles, ça sera de structurer, en fait, comment je vais fonctionner, comment je vais m'organiser, afin de répondre aux différentes sollicitations qui vont arriver jusqu'à moi. Oui. Une fois que ces sollicitations arrivent, en fonction de l'importance, je vais prioriser. Aujourd'hui, il y a des outils en fait aussi d'organisation qui sont très utilisés, en tout cas comme Trello qu'on utilise. On utilise aussi des outils en fait pour pouvoir planifier nos tâches en fait, et c'est des outils aussi collaboratifs comme Slack qu'on utilise au sein de mon service, dans l'idée de pouvoir avoir une visibilité sur les différents projets que nous devons mener, et de pouvoir travailler en collaboration en fait, en collaboration en interne, c'est-à-dire au sein de la cellule communication, et aussi en collaboration avec les services, demandeurs. De sorte à pouvoir optimiser le temps de travail, de pouvoir être beaucoup plus productif, de pouvoir respecter les délais, etc., etc. Mais ça veut dire que, je dis ça en rigolant, c'est un travail de fou. Oui. C'est un travail de fou, mais c'est un travail de passionné. Oui. Alors, c'est les fous passionnés, je dirais ça comme ça. Tout à fait. Pour faire de la communication, il faut vraiment être animé d'une passion. C'est vrai qu'on peut très bien faire une formation en communication, et en se disant, oui, ben, j'aime bien ça, etc. Ouais. Sauf qu'à l'épreuve du terrain, ce n'est pas juste le « j'aime bien ça » qui fera qu'on va durer. C'est pas un plaisir. Non. Uniquement, on prend son pied, il y a un travail. Il y a un vrai travail derrière. Oui. Une responsabilité aussi. Une grosse responsabilité aussi, puisqu'on est responsable en fait de l'image, en tout cas de l'organisme, de l'institution, peu importe l'entreprise qui nous emploie. Mmh. Et c'est vrai que lorsque ça marche, donc le DG, le maire, enfin peu importe, est super content, mais lorsque ça marche pas, ça nous retombe sur le coin du nez. Comme toujours. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est très important en fait de prendre la mesure de la responsabilité. C'est un travail qui est exigeant, parce que la particularité de notre travail, c'est que souvent on est dans un environnement professionnel où tout le monde plus ou moins a un avis sur la question. Toujours. Qui se dit que tout le monde est plus ou moins communicant, on va dire aussi, à la marge. Oui. Et donc pouvoir en fait apporter son expertise, et de le faire en fait avec bienveillance, et de le faire avec aussi rigueur, avec je dirais clarté et avec professionnalisme, ça c'est tous les jours qu'on l'apprend. Ça dépend des personnalités, parce qu'on est aussi un métier relationnel, c'est-à-dire qu'on est en contact avec des personnes de types différents, de personnalités différentes, de caractères différents, et aussi qui occupent des fonctions différentes. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident. Alors, on va parler de l'aspect relationnel tout à l'heure, mais je voulais revenir sur un aspect quand même qui semble important, c'est sur le timing. Est-ce qu'un bon communicant peut dire, bon, je commence à 8h, je termine à midi, et puis à midi, je vais manger, etc., alors qu'il est en plein festival ou en pleine organisation, ou bien un samedi ou un dimanche? Est-ce que le communicant ou la communicante a vraiment un horaire de travail bien défini? Non. Le communicant, la communicante, c'est sûr, fait 35 heures hebdomadaires théoriquement. Et plus, selon les circonstances. Voilà, je veux rassurer les étudiants, parce qu'ils risquent de se dire « waouh ». Mais en fait, ça dépend des circonstances. Hein. Oui. Vous l'avez bien dit, Danick. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des exigences liées à la fonction. Et l'une des plus grandes exigences, c'est la disponibilité, parce qu'effectivement, nous pouvons être appelés à travailler hors horaire de bureau, ce qu'on appelle les horaires de bureau, et donc il faut pouvoir l'intégrer dès le départ dans sa façon de raisonner, de fonctionner, sinon on risque d'être vraiment frustré. Moi, dimanche, j'étais sur le terrain pour un shooting avec les élus sur l'heure du déjeuner, un dimanche où j'étais censée être un déjeuner familial, ça c'est la réalité du métier. Il faut pouvoir le faire
entendre aussi à son entourage. Oui. Donc c'est pour ça que c'est important de l'intégrer. Au niveau familial, ça crée des problèmes quelquefois. Ben oui, ça peut créer quelques problèmes. J'ai eu quelques soucis, quelques écueils. Ouais, c'est comme pour les journalistes. Mais c'est comme les journalistes, c'est comme les médecins, c'est comme d'autres métiers. Et en fait, ben dans la vie, c'est ça. Il n'y a rien qui soit tout blanc ou tout noir. Voilà, il y a toujours, on dirait, un revers à la médaille. Et pour autant, cela ne doit pas être un frein, je pense, pour quelqu'un qui veut se lancer dans cette... se lancer dans cette carrière. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une profession qui est très gratifiante, où on a vraiment l'opportunité de se déployer, de développer ses compétences, où on peut vraiment toucher à plein de domaines, parce que particulièrement, moi, je dirais, en tant que chargée de communication en mairie, ben, l'avantage, c'est que je travaille sur des dossiers. Je peux travailler aujourd'hui sur un dossier qui concerne la culture, demain sur un qui concerne le sport ou l'aménagement du territoire, ou bien la sécurité du public. Donc en fait, on apprend énormément de choses et on n'a vraiment pas l'opportunité de s'ennuyer. On peut travailler sur de grands événements. J'ai eu l'occasion à l'époque, avant le Covid, de travailler sur des grands événements comme la Carujet, qui est un événement majeur sportif en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on apprend énormément. Village des associations mis en place par la ville. Nous-mêmes, nous mettions en place plein de manifestations dans le cadre notamment de la fête de la commune. Et tout cela, eh ben, ce sont des terrains d'expérimentation, d'apprentissage, et qui nous permettent en fait de grandir professionnellement. Oui, alors avant de venir au dernier épisode qui est la relation avec la presse, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à ces étudiants ou étudiantes qui nous regardent et qui vous regardent en ce moment et qui sont en formation, soit en première année de BTS, soit en seconde année? Le premier des conseils est celui que moi-même j'ai appliqué lorsque j'étais étudiante: tester. C'est-à-dire, faites des stages. D'accord. Le maximum de stages. Le maximum de stages. Même si vous n'êtes pas payé aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, vous serez payé. Vous serez payé à votre juste valeur parce que, justement, vous aurez engrangé de la connaissance et de la compétence. Oui. Donc, vraiment, c'est le conseil que je donnerai à tout étudiant en général, mais particulièrement en communication, parce qu'il y a plein de métiers et que, voilà, chargé de com, c'est très vague quand on dit chargé de communication. C'est très large. Mais voilà, c'est très large. Et même lorsqu'on est étudiant, on peut être dans le doute de savoir, mais est-ce que je me spécialise, je ne me spécialise pas? Et c'est véritablement les stages qui vont permettre de déterminer, non seulement si on souhaite se spécialiser, parce que voilà, et deuxièmement, même là où on souhaite exercer. Parce que exercer en agence, exercer en collectivité ou en entreprise, ce n'est absolument pas la même chose. Alors, je crois qu'on a un direct là, c'est ça? Une seconde, c'est ça le plaisir du direct aussi, c'est que nous sommes en connexion avec notre reporter sur le terrain. Il est là, c'est Michel. Michel, s'il nous écoute, eh bien, il peut entrer en lionnage avec nous. Nous déjà là, et Samantha verra, et les téléspectateurs verront. C'est lui. Voilà. Jordan, c'est bon? Ok, nous voilà sur un nouveau flash info de Pape. Comme vous pouvez le constater, on est aux abîmes, toujours aux abîmes, à l'angle du McDonald's. Apparemment, il y a eu une première charge de fête. Voilà, les ordres viennent d'être donnés, on pousse tout le monde. On essaie de rester au contact. Jean Otsmal. On l'a posé tranquillement. C'est mes essais agressés, on va agresser le monde. Et nous, on va combattre pour un bien qui est réel. Et on va bouer le monde, on va bouer le monde. Ça n'a pas commencé à faire fête. Nous sommes en Guadeloupe. D'accord? Nous ne sommes pas en métropole ici, nous sommes en Guadeloupe. Je discute, ok? On est en train de parler. D'accord? Ok? Allez, on va.
Les esprits s'échauffent. Voilà, les gars sont lâchés. Voilà le mot d'ordre, vous l'entendez? Vous pouvez voir la progression des forces de l'ordre. Commissaire. C'est pas le moment, monsieur. C'est pas le moment. Donc le commissaire nous dit que pas d'interview pour le moment. On va attendre le bon moment. Voilà, encore un petit groupe là qui est en train de se faire gazer. Donc vous voyez une manifestante qui n'arrive même pas à marcher. Je crois qu'elle s'est pris du lacrymo en pleine tête. Elle tient pas debout. Elle tient pas debout. Voilà. Ok, voilà donc un petit focus sur ce qui se passe en ce moment aux Zambie, mais on va revenir avec Samanda pour conclure. Alors, Samanda, on avait fini avec les conseils donnés à une jeune, mais l'autre question, c'est le dernier point qu'on va aborder rapidement, les relations avec la presse. Mm-hmm. Comment ça se passe ? Très bien. Oui, très bien en général, mais comment ça s'organise ? Comment ça s'organise ? Alors, avant toute chose, ça c'est quand même, c'est un point important, c'est vrai, de la fonction. Il faut développer d'excellentes relations avec la presse. Oui. Il faut vraiment entretenir ces relations parce que, effectivement, quand bien même que nous ayons d'autres supports de communication, les médias restent un support privilégié, en fait. Mmh. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le public qu'on souhaite atteindre, ce public apportera toujours plus de crédit à ce qui a été dit par un journaliste a priori neutre et qui s'appuie en fait sur son propre avis que sur ce que nous allons diffuser en tant que communicants. Donc le journaliste sert de relais alors. Donc le journaliste aujourd'hui ne sort pas de relais. Je dirais que le journaliste fait son travail, c'est-à-dire nous venons avec une actualité, avec une information.
Voilà. Et le journaliste est libre de la traiter ou de ne pas la traiter, et il est libre aussi de la traiter comme il veut. Et ça, c'est important aussi de le souligner. Donc vous envoyez des communiqués de presse, par exemple ? Donc en nous envoyant des communiqués de presse, nous faisons en sorte que nos communiqués de presse, le but, c'est que le communiqué de presse soit bien rédigé. C'est pour cela qu'il faut vraiment soigner sa rédaction. Parce que lorsqu'un communiqué de presse est bien rédigé, donne les informations essentielles dès le début, alors on a plus de chances d'approcher le journaliste. Il respecte la règle des 5 WH. Qui, quoi, comment, voilà. Pourquoi. Exactement. Oui. On a le plus de chances d'accrocher le journaliste. Après, tout se fera dans le relationnel. C'est pour ça que je dis que c'est important de, quand même de pouvoir entretenir ces relations. Parce qu'ensuite, il y a toujours ce qu'on appelle la relance presse. Donc, le moment où on va appeler le journaliste et où on va défendre le sujet pour qu'il voit l'intérêt, en fait, de pouvoir le couvrir, qu'il puisse comprendre l'angle qu'on lui propose. Donc, il arrive que des journalistes choisissent l'angle proposé. Il arrive qu'ils ne le choisissent pas. Ils ont aussi cette liberté. Et le but des relations presse, ce n'est pas de faire sa communication. Le but des relations presse, c'est de porter une information au public. Donc, oui. Faire sa communication, c'est tout à fait différent. Quand on fait sa communication, on ne mettra en avant que les avantages, que ce qui est bien, qui fonctionne bien, il n'y a pas d'opposition, etc. Mais lorsque on fait appel, en fait, à la presse et qu'on choisit de faire couvrir par la presse, mais la presse est libre de pouvoir montrer aussi ce qui peut-être ne fonctionne pas et libre de pouvoir prendre les avis des autres protagonistes. Hein. Oui. Je pense notamment à des sujets un peu délicats comme... nous venons de voir un sujet où il y a un antagonisme. Donc, lorsque le média se rendra sur place, le rôle du journaliste sera de donner la parole à toutes les parties. Voilà. Quand bien même qu'ils auraient été sollicités, par exemple, par les grévistes, ce n'est pas parce qu'on a été sollicité que les grévistes qu'on ne va pas donner la parole, par exemple, aux forces de l'ordre ou vice-versa. Tout à fait. Voilà, bien, Samantha, on vous remercie d'être venu nous dire tout ça. Je le dis tout de suite, j'ai déjà dit ça aux autres communicantes, on fera un panel avec 3 ou 4 communicantes un jour, ici même, et ce sera l'occasion de confronter vos points de vue autour d'une problématique qu'on va soulever. En tout cas, merci d'être venu participer à cette émission pour nos étudiantes et pour les téléspectateurs. On termine rapidement en rappelant qu'on a commencé ce matin avec José Saint-Civier, avec lui on a parlé des drones, ça c'est bien passé. Il a montré comment le drone est devenu un instrument, un outil indispensable maintenant, pas seulement pour les faire de la musique ou faire des clips, mais aussi pour la géographie, pour l'étude de l'atmosphère, etc. Il a été très précis sur ça. Si vous avez raté cette partie-là, c'est le replay sur le Facebook. Ensuite, nous avons reçu M. Jean-Denis Legrave, secrétaire adjoint et coordonnateur de mandat à la Mutualité française. Il a expliqué l'intérêt de la mutualité aujourd'hui. Et puis, on vient de terminer avec Samantha Gauss, directrice de communication de Petit Bourg et aussi des relations publiques. Elle a donné de bons exemples et on va recevoir sur une prochaine une autre communicante d'une autre collectivité en programme de Zot Noaille. Il suffira simplement d'être là jeudi prochain. En tout cas, les étudiants continuent à suivre notre émission et puis les Guadeloupéens aussi qui nous suivent. On remercie Jordan qui était comme toujours avec nous puisqu'on a fait le point COVID comme tous les jeudis avec le préfet, Madame de Nux et la rectrice. Et puis on est allé faire un petit tour à la ferme agricole de Printemps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve. On va recevoir le directeur de Canal Plus Outre-mer. C'est une nouvelle chaîne qui vient de se lancer dans le paysage audiovisuel de Guadeloupe. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir. Et puis, on parlera aussi de l'obligation vaccinale et du point de vue de la juriste qui nous accompagne depuis plusieurs semaines déjà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.